Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du SG Space News. Qu'est-ce que c'est? C'est un format qui va vous expliquer en gros les choses qui sont passées pendant la semaine au niveau de l'espace. Je tiens à vous annoncer d'abord qu'on va être partenaire avec Blue Shift pour les futurs décollages. Donc voilà, bref, je vous en dirai plus pour la fin de vidéo. Et on commence avec l'actu numéro 1. Blue Shift a fait leur premier lancement qui s'est très bien passé. Donc ça a été un décollage test pour voir donc pour le décollage si tout allait bien et pour la séparation et l'atterrissage en parachute. Pour eux, ça a été une réussite, énormément de galères au début, etc. On a pu voir qu'on a fait un live de 6 heures où c'était hyper long, je trouve que ça a dû être trop porté parce qu'ils ont eu des soucis au niveau interne et puis même au niveau de la fusée, d'après ce que j'ai compris. Mais tout s'est bien passé et d'ailleurs ici vous avez du coup le message qu'on a mis par rapport au partenariat Blue Shift. Écoutez, la fusée a super bien décollé comme vous pouvez relever encore ici. Ça a été vraiment insane, on a passé 8 heures vraiment très cool. C'est vrai qu'à la fin on était quand même à bout, mais voilà, c'était vraiment cool, une superbe réussite. Pour eux en tout cas, j'espère que pour l'avenir, ils nous feront rêver. Donc oui, voilà, c'est vrai, on voit que c'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui font ça par passion. Et bah c'est vraiment cool parce qu'au final, on voit vraiment un nouvel univers, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop cool, les amis. Moi, je kiffe faire ça. On aura d'autres choses à vous montrer à l'avenir avec eux et espérons que tout se passe pour le mieux. Voilà, tu vois maintenant, la fusée, elle est pas si grande que ça. Celle qu'on a actuellement, c'est la Falcon 9 de SpaceX. Et le futur, ça sera le Starship qui est toujours en élaboration. Ouais. Bon, du coup, on attend tranquillement. Bon, les gars, actuellement, on est dans une phase où on ne sait pas trop. Ils sont en train de redémarrer le système. En gros, ils sont en train de voir d'ici 15 minutes s'ils peuvent lancer la fusée. Mais ils sont en train de voir pour un potentiel relancement. En gros, un relaunch. On aime ça. 54 likes. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent des likes. Vraiment, vous êtes les boss. Abonnez-vous à Spiritus, ce n'est pas Icam. Mais Icam, il a déjà pété. Il a déjà 4000 abonnés, les gars. C'est carrément incroyable. Merci à tous d'ailleurs pour les 4000 abonnés. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, hein, c'est marqué là-bas en haut. Non, c'est là-bas. C'est là-bas de l'autre côté. Icam, tu tapes Icam. IK2AM. Pouf, t'arrives. Tu t'abonnes aux notifications, bien évidemment. On adore ça. Vive l'argent, la YouTube Money. Et je trouve que ça fait super plaisir parce que du coup ça fait que le live est mis en avant de ouf. C'est vraiment pour vous dire à quel point là mec c'est incroyable ce qui se passe. Quoi ? Les gars c'est quoi ça ? Moi je comprends pas, j'ai besoin de Maldini là. Maldini ! Putain on me dit à l'oreillette que Maldini il est pas là, on va attendre les 60 likes, c'est incroyable ça. Chaque clic qu'il y a c'est Amérique. Et pourtant le titre il est en français non les gars ? En vrai là j'aurais bien aimé qu'il y ait Maldini mais du coup il est pas là parce qu'il est, il est en route, il est sur la route du coup. Là ça pique, j'arrive dans 10 minutes. Ouais, nice. Les membres de leur team. Voilà, il sert à quoi juste ce lancement? Ils utilisent, c'est leur premier lancement et en fait, ils utilisent une essence bio. Du coup, voilà, ils vont tester ça. Je te dis, ils sont pas beaucoup, ils sont 4. Donc, c'est 4 mecs comme toi et moi. Hein. Ils sont voilà, ils ont créé leur projet. C'est leur première fusée qui est lancée et voilà, leur première fusée c'est tester une essence bio tout simplement. Qui est saine pour la santé. C'est vraiment pour la planète qu'ils font ça. C'est un projet qui est cofinancé par NASA. Bah ouais d'ailleurs ils ont montré qu'en partenariat ils étaient avec NASA et il y a quelqu'un qui bosse pour eux qui travaille avec SpaceX. Ce live sera historique, je vous le dis. Ce live est historique. Est-ce que vous êtes prêts au Big Bang intersidéral ou peut-être au... Nous allons reporter. Non, on reporte pas, c'est bon. On a déjà fait une annulation il y a 2 semaines. Non. Je le sais. Non. Je le sais. Mon gros pif me dit que j'ai raison. Allez, arrête. Allez, en tout cas, on va partir pour le dé. T'as vu ça, je suis jonglé. Pas du tout. Vous derrière votre écran, qui avez été là depuis le début. Je vous remercie. Je vous annonce le décollage. Looks like we're gonna hold for a minute here. Allez, on est à une minute du décollage, le premier lancement de Blue Shift Aerospace. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition sequence start. Sirens running. Yes, go. Oh, shit! Oh, woohoo! Marvel has touched down. Ça y est, c'est réussi. Pearl has touched down. Bien joué.
Merci à tous d'avoir suivi le live. Ouais, merci à tous. Je vais arrêter le stream ici, du coup, merci à tous ceux qui ont été là présents depuis le début. Merci aux 119 likes. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt pour un prochain live. Salut tout le monde.